je m'appelle Mélodie Scolari et je viens d'être diplômée de l'École supérieure de soins ambulanciers de Genève. Jeudi 7 juillet, sur esam.ch, à 14h45, je vous présenterai mon travail de diplôme qui traite de la sécurité de l'antalgie chez la femme enceinte en préhospitalier. Je me réjouis de vous présenter mon travail et de répondre à vos questions. À jeudi! Bonjour. Alors moi, je vais vous parler de la sécurité de l'antalgie chez la femme enceinte en préhospitalier. L'administration d'antalgiques en préhospitalier fait partie intégrante de nos prises en charge. Cependant, on a moins l'habitude d'administrer des antalgies à une femme enceinte qui est une population délicate à prendre en charge et les ambulanciers sont souvent démunis face à ce type d'intervention. D'autant plus qu'il y a peu de données cliniques disponibles pour des raisons d'éthique. Et puis, ce qu'on peut rencontrer, c'est les douleurs de l'accouchement, bien sûr, mais aussi les autres pathologies qui sont non associées à la grossesse. Si j'ai voulu faire ce travail de diplôme, c'est parce que j'ai pris en charge une femme enceinte et elle m'a demandé une antalgie et puis j'ai pas pu répondre à ce qu'elle me demandait, dans le sens où je me sentais pas du tout à l'aise et j'avais peur des répercussions sur le fœtus. Du coup, heureusement, on était proche de la maternité et puis elle a pu être rapidement prise en charge à l'hôpital. Mais ça a généré quand même chez moi une frustration de ne pas pouvoir la soulager et puis des interrogations qui ont amené à ce travail de diplôme. Les problématiques que j'ai pu identifier, c'est les risques pour la mère et le fœtus, les différentes molécules en fonction des stades de la grossesse, les moyens à disposition en préhospitalier et puis les formations initiales et continues qu'on peut retrouver à l'école et plus tard dans les services, et puis les différences entre la théorie et la pratique, et la sérénité versus l'appréhension des soignants face à ce type de prise en charge. Ce qui a amené à ma question de recherche, les ambulanciers sont-ils suffisamment formés et outillés pour administrer une antalgie à une femme enceinte de manière sécuritaire ? Par rapport à mon cadre de référence, j'ai inclus la physiologie de la grossesse et de la douleur, la pharmacologie en fonction des médicaments présents dans la CORFA, les antalgiques présents dans la CORFA, et la pharmacocinétique. J'ai exclu de mon travail volontairement les traitements non-antalgiques parce qu'il y en avait déjà beaucoup, et puis les périodes de l'antépartum, du postpartum et de l'allaitement qui auraient demandé un travail à part entière. Au niveau de la physiologie de la femme enceinte, on trouve des modifications au niveau respiratoire qui sont une baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle, une augmentation de la consommation d'oxygène due aux besoins du fœtus qui peuvent créer une hypoxémie. Au niveau cardiaque, une augmentation du volume sanguin circulant, une augmentation de la fréquence cardiaque et une baisse des résistances vasculaires systémiques, ce qui peut amener à une hypotension, une hémodilution et une hypervolémie. Au niveau rénal, une augmentation du taux de filtration glomérulaire, ce qui implique une baisse de la demi-vie de certains médicaments. Et au niveau digestif, un relâchement du sphincter œsophagien, une vidange gastrique qui est retardée et puis un ralentissement du transit, ce qui amène à des nausées, vomissements et une possible bronchoaspiration. Par rapport à la barrière placentaire, ça n'empêche pas le passage des molécules, contrairement à son nom. Et puis, le passage, il est dépendant des propriétés de la substance, de la molécule, du stade de la grossesse et de la maturité du placenta, et puis des modifications pharmacocinétiques. Justement, au niveau de la pharmacocinétique, il y a assez peu de changements, c'est généralement assez peu significatif. Parce que c'est souvent propre à l'individu et puis on n'arrive pas à faire la distinction entre les changements qui sont dus à l'individu en lui-même ou propres à la grossesse. Au niveau de la tératogenèse, il faut savoir que les médicaments représentent moins de 1% des anomalies congénitales, mais c'est une source qui est évitable et puis ça touche différents organes en fonction des stades de la grossesse. Au premier trimestre, c'est la période de l'embryogenèse et de l'organogenèse. C'est la période du tout ou rien. Et puis, il y a une grande sensibilité aux embryopathies majeures, aux malformations des organes et aux migrations erratiques ou duplications chromosomiques. Au deuxième trimestre, on retrouve plutôt des troubles de la croissance dus à une ischémie, des déformations de tumeurs, des retards de croissance dus à des troubles métaboliques
et des troubles de l'irrigation du placenta. Au niveau du troisième trimestre, l'exposition à des médicaments, elle peut atteindre la croissance et la maturation des organes et leur fonctionnement, des anomalies fonctionnelles temporaires ou définitives, et puis des troubles neurocomportementaux qu'on peut retrouver chez l'enfant plus tard. Par rapport à l'accouchement, on peut retrouver aussi une mauvaise adaptation néonatale avec une demi-vie qui est rallongée chez le fœtus due à l'accumulation de substances et puis qui impliquera une surveillance de longue durée du bébé. Au niveau de la pharmacologie, il y a différentes classifications selon différents critères, mais on retrouve peu de données humaines et c'est surtout des données animales. Et puis sur compendium, c'est souvent le principe de précaution qui est appliqué. Ces données, elles sont surtout issues de la pharmacovigilance suite à des expositions accidentelles ou volontaires à des médicaments. Et puis, pour des raisons éthiques, il y a peu d'études à disposition. Par rapport à la pharmacologie, au niveau de la synthèse que j'ai pu faire, le paracétamol, c'est la molécule de choix pour les douleurs légères. Il n'y a aucun risque pour le fœtus, sauf en cas de surdosage. Par rapport aux AINS, ils sont contre-indiqués au premier et au troisième trimestre surtout, au premier trimestre pour un risque de fausse couche, au troisième trimestre pour un risque de fermeture prématurée du canal artériel qui créerait une hypertension pulmonaire et une défaillance cardio-pulmonaire et des atteintes rénales. Au niveau de l'accouchement, il y a une augmentation du temps de saignement chez la mère qui peut survenir. Au niveau du buscopan, il est contre-indiqué par principe de précaution. Il n'y a pas assez de recul et pas assez d'études humaines à disposition. Par rapport aux opiacés, c'est possible de les administrer, sauf lors de l'accouchement, parce que ça pourrait créer des dépressions respiratoires néonatales. Et puis, on privilégie plutôt le fentanyl qui a une plus courte demi-vie que la morphine, par exemple. Par rapport à la kétamine, c'est pareil, on peut la donner lors de la grossesse, mais pas lors de l'accouchement, ça crée aussi des dépressions respiratoires. Et puis pour le midazolam, en association avec la kétamine pour l'antalgie, ce serait seulement en cas de nécessité absolue, donc ce serait plus intéressant d'essayer de trouver des moyens alternatifs plutôt que d'administrer du midazolam. Pour le méopa, il est assez controversé, ce serait un perturbateur du métabolisme de la vitamine B12 lors de la grossesse, mais ce serait possible de le donner lors de l'accouchement, ce qui est d'ailleurs fait en salle d'accouchement. Pour le méthoxyflorane, on n'a pas assez de données cliniques, le mécanisme d'action est peu clair, donc il est contre-indiqué. Et puis au niveau de l'ésomeprazole, il a été peu étudié, mais d'autres IPP seraient possibles. Donc, ce serait une possibilité en cas de nécessité absolue. Au niveau des bases légales, par rapport au règlement sur les professions de la santé, les ambulanciers inscrits ont le droit de donner professionnellement des soins aux patients ainsi qu'aux parturientes. Et puis, ils ont également le droit de réaliser des actes médicaux, y compris le traitement de la douleur. Donc, on voit que c'est bien inscrit dans la loi. Et au niveau de la loi sur la santé de Genève, ça dit que le patient doit être informé de manière claire et appropriée sur les traitements, les bienfaits et les risques éventuels. Donc ça prend tout son sens dans l'administration d'une antalgie à une femme enceinte, puisqu'il y aurait potentiellement des implications pour le fœtus. Au niveau de la méthode que j'ai utilisée, j'ai fait un recensement des antalgiques utilisées en préhospitalier, donc au niveau de la CORFA. J'ai également recensé les effets tératogènes de ces molécules, et puis j'ai envoyé un questionnaire avec des vignettes cliniques. Ce questionnaire a été envoyé à tous les services de Suisse romande et j'ai reçu 120 réponses. Dans ce questionnaire, il y avait les questions suivantes. Ça demandait s'il y avait un algorithme spécifique et des statistiques dans le service d'ambulance, les traitements généraux qu'il était possible d'administrer tout patient confondu, les contre-indications chez la femme enceinte au niveau des traitements que les ambulanciers avaient à leur disposition dans leur service, des vignettes cliniques. Une vignette clinique sur la fracture, donc c'était une fracture isolée dans les trois trimestres de la grossesse. Et puis une vignette clinique sur les lithiases rénales, aussi dans les trois trimestres de la grossesse. J'ai également fait une vignette clinique sur l'accouchement. Et puis ces vignettes cliniques m'ont servi à savoir quels étaient les médicaments que les ambulanciers donneraient dans des situations données. Je voulais également savoir si les ambulanciers allaient utiliser des AINS, par exemple, qui sont clairement contre-indiqués dans la grossesse.
J'ai également posé des questions sur le ressenti et la réticence des ambulanciers face à ce type de prise en charge, et puis sur la formation initiale et continue. Donc j'ai reçu 120 réponses, principalement des services de Vaud et Genève, avec 50 réponses du canton de Vaud, de 7 services différents, et 31 réponses sur Genève avec 5 services différents. Donc j'ai posé la question des antalgiques utilisés dans les services de manière générale. Donc ce qui ressort, c'est que le paracétamol est utilisé uniquement à 53% dans 53% des cas. Ça mettre en lien avec le canton de Vaud qui n'a pas la délégation du paracétamol de manière générale. Le fentanyl est lui utilisé par tous les services, et puis la kétamine, on la retrouve à 55% des endroits. C'est aussi dû au canton de Vaud qui n'utilise pas non plus la kétamine sauf en service. On voit que les AINS sont assez peu présents dans les services, ainsi que les gaz inhalés, qui sont des molécules assez récentes et qui sont peu utilisées en préhospitalier. Et puis j'ai rajouté le métamisole qui est utilisé sur Neuchâtel. J'ai posé la question des contre-indications dans les services chez la femme enceinte. Donc on remarque que le paracétamol est contre-indiqué par 12% des personnes interrogées. Le fentanyl est contre-indiqué par 32% des ambulanciers. C'est toujours à mettre en lien avec le canton de Vaud qui délègue aucun traitement pour la femme enceinte. Et puis au niveau des AINS, dans les réponses que j'ai reçues, j'avais plus de contre-indications que de délégations des AINS dans les services. Donc ça démontre une bonne connaissance générale des ambulanciers, par contre peut-être une mauvaise compréhension de la question, ou alors ils voulaient trop bien faire en répondant qu'il ne fallait pas donner d'AINS. Là on voit les utilisations possibles des antalgiques chez la femme enceinte dans les services. Donc on remarque que le paracétamol peut être donné par environ 40% des ambulanciers, de même que la kétamine. Et puis on voit que la fentanyl est la molécule la plus utilisée, avec environ 67% des ambulanciers qui peuvent la donner. Et puis on remarque que les AINS ne sont jamais donnés pour la femme enceinte dans ces résultats-là. J'ai également posé la question de la formation initiale et continue. Donc aucun cours spécifique n'est donné dans les écoles romandes. À Lesambre, on a quelques données sur les contre-indications des AINS dans les cours de pharmacologie. Et puis à Azur, ils ont juste des informations orales sur la contre-indication des opiacés lors de l'accouchement. On remarque que 90% des ambulanciers ne se sentent pas suffisamment formés, et 10% des ambulanciers ont des formations continues sur l'antalgie chez la femme enceinte, ce qui est assez peu. J'ai également posé la question aux ambulanciers s'ils souhaiteraient avoir un algorithme adapté pour la femme enceinte. Près de 77% des ambulanciers pensent qu'un algorithme spécifique serait utile pour rendre les prises en charge plus faciles. Et puis, on voit que 6,7% aimeraient un algorithme adapté, donc, c'est-à-dire une adaptation de l'algorithme de l'antalgie classique. Au niveau de mes vignettes cliniques, donc pour la vignette clinique de la fracture, c'était une fracture isolée avec une patiente enceinte aux 3 stades de la grossesse. Hémodynamiquement stable, sans particularité. On voit dans mes résultats que le fentanyl et la kétamine sont moins utilisés en fin de grossesse, ce qui est plutôt cohérent avec mon cadre de référence qui mentionne que c'est des molécules qui créent des dépressions respiratoires chez le fœtus. Concernant le méthoxyflurane, il est quand même utilisé par 3,6% des ambulanciers, alors qu'il est clairement contre-indiqué. Et puis tous ces résultats, ils étaient assez superposables entre les différents trimestres de la grossesse. Ça démontre une certaine cohérence dans les réponses de mon questionnaire. Concernant les lithiases rénales, j'ai pu remarquer que la kétamine était très peu utilisée, sûrement du fait que beaucoup de services ne la délèguent pas pour les pathologies médicales. Et puis j'ai remarqué que 6 ambulanciers utiliseraient quand même des AINS alors qu'ils sont clairement contre-indiqués. En analysant précisément ces réponses, j'ai pu remarquer que c'était des ambulanciers qui n'avaient soit pas la délégation pour ce médicament dans leur service, ou qui devaient faire appel à un avis médical avant d'administrer une antalgie à une femme enceinte. Concernant la vignette clinique de l'accouchement, il y a 13% des ambulanciers qui utiliseraient du fentanyl, alors que c'est quand même clairement contre-indiqué lors de l'accouchement pour la dépression respiratoire chez le bébé.
Même si les ambulanciers ils sont bien formés à réagir à ce type de problématique, ce serait mieux qu'on n'induise pas nous-mêmes ce genre de problème. Et puis, le paracétamol est utilisé par 26% des ambulanciers, ce qui pose un petit peu question, parce que l'efficacité du paracétamol pour les douleurs de l'accouchement, qui sont plutôt des douleurs d'intensité assez forte. On peut se demander la raison de l'utilisation du paracétamol. Probablement qu'ils n'ont pas d'autres molécules à disposition. Ce qui est aussi le cas de la relation d'aide, parce qu'elle est en nette augmentation dans la vignette clinique de l'accouchement, probablement pour pallier au manque de possibilités médicamenteuses dans ce cas-là. Au niveau des traitements médicamenteux en particulier, donc le paracétamol il est utilisé pratiquement par tous les ambulanciers qui peuvent en donner. Ils ont donc bien compris que c'était une molécule de choix pour la femme enceinte. Au niveau des opiacés, on voit qu'il y a une cohérence entre l'indication à administrer du fentanyl et les traitements qui seraient donnés dans les vignettes cliniques. Et puis, mes hypothèses concernant les personnes qui considèrent que le fentanyl est contre-indiqué, ce serait soit une méconnaissance des molécules, un principe de prudence, ou alors une absence de délégation du médecin répondant. Par rapport à la kétamine, on voit que les ambulanciers ils semblent hésitants par rapport à l'utilisation de la kétamine, alors que 40% des ambulanciers pourraient l'utiliser, seuls 8% l'utilisent dans les différents stades de la grossesse. Et puis au niveau des AINS, on remarque qu'il y a des bonnes connaissances, puisqu'aucun ambulancier estime qu'il est possible d'administrer des AINS, sauf dans les vignettes cliniques, mais pour les raisons que j'ai mentionnées, ce n'est pas forcément des résultats très fiables. Par rapport aux gaz inhalés, ils sont clairement contre-indiqués durant la grossesse. 5% des personnes interrogées affirment pouvoir utiliser du méthoxyflurane, alors qu'il est clairement contre-indiqué. Là aussi, on peut se poser la question d'une méconnaissance de la molécule ou alors un sentiment de fausse sécurité, puisque c'est des médicaments qui sont inhalés et du coup qui cessent leur effet dès l'arrêt du traitement. On pourrait penser que ça crée un faux sentiment de sécurité. Concernant l'avis médical, en moyenne, 33% des ambulanciers demandent un avis médical, donc que ce soit SMUR, médecin répondant ou gynécologue, et dont 23% sont des ambulanciers vaudois. Ça s'explique par le fait que les ambulanciers vaudois n'ont pas de délégation pour l'antalgie chez la femme enceinte, et puis ils n'ont pas forcément de traitement même dans leur ampoularium, ils sont assez mal outillés par rapport à ça. À l'opposé, on n'a aucun ambulancier genevois qui fait appel à un avis médical. Et puis, on voit qu'à l'accouchement, il y a 17% des personnes interrogées qui font appel à un avis médical. C'est moins que dans les autres stades de la grossesse, probablement parce que à ce moment-là, les ambulanciers ont d'autres priorités que l'antalgie, certainement. Et cette question, elle n'était pas prédéfinie dans mon questionnaire. Donc, on peut considérer qu'il y a une petite imprécision dans les chiffres. Par contre, ça démontre quand même une tendance intéressante. Par rapport à la relation d'aide, 80% des ambulanciers utilisent la relation d'aide. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des 20% restants qui ne l'utiliseraient pas? Donc, j'ai mis des hypothèses par rapport à ça. Soit ce serait trop évident parce que ça fait partie intégrante du fonctionnement de l'ambulancier. Ou alors, il y avait trop ça dans mon questionnaire et puis ça induit une lassitude des réponses. Ou alors, c'est tout simplement un épuisement de l'intervenant à faire de la relation d'aide. Concernant le ressenti, on voit que 81% des ambulanciers ne sont pas à l'aise dans ce type de prise en charge. Et puis, 71% des ambulanciers se sentent plus réticents à donner une antalgie à une femme enceinte qu'à une personne lambda. Les jeunes ambulanciers, j'ai pu remarquer qu'ils étaient légèrement plus réticents que les ambulanciers ayant plusieurs années d'expérience. C'est peut-être dû à l'exposition au cas, parce que plus un ambulancier a d'années d'expérience, plus il a de chances d'avoir été exposé à ce genre de prise en charge et donc avoir à se reposer sur une expérience du terrain. Tout cela, ça m'a permis de voir que dans la plupart des vignettes cliniques, ça mène à une oligo-analgésie. Donc il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Soit une absence de délégation des médecins répondants du service, comme on peut le voir dans le canton de Vaud. Soit l'impact émotionnel de la prise en charge qui fait qu'on n'a pas envie de donner quoi que ce soit à une femme enceinte. Ou un principe de précaution où on préfère ne rien faire et ne pas nuire. Ou alors, on peut lier ça à l'absence de formation initiale et continue, à la rareté d'exposition des cas, ou bien lors de l'accouchement à d'autres priorités.
Pour faire une synthèse, de manière générale, on peut dire que les ambulanciers administrent des antalgies de manière sécuritaire aux femmes enceintes. Pourtant, ils se sentent insuffisamment formés. Et ça ressort clairement dans mon questionnaire. Il y a souvent une oligo-analgésie, comme j'ai pu en parler avant. Et puis, les ambulanciers pensent qu'un algorithme serait pertinent pour ce type de prise en charge. Donc, ma question de recherche, c'était: les ambulanciers sont-ils suffisamment formés et outillés pour administrer une antalgie à une femme enceinte de manière sécuritaire? Donc, oui, ils sont bien formés, malgré que ça crée une incohérence avec leur ressenti. Et puis non, ils ne sont pas assez outillés, d'une part par un manque de molécules à disposition, et puis pas d'algorithmes ou de recommandations particulières dans les services. En conclusion, c'est des prises en charge qui sont inhabituelles, qui sortent les ambulanciers de leur zone de confort. Ça demande des connaissances approfondies par rapport au traitement, aux contre-indications en fonction des stades de la grossesse. Et puis, ça relève vraiment une importance de la balance risque-bénéfice, parce qu'on n'a pas seulement la maman à traiter, mais du coup, ça induira aussi des effets potentiels chez le fœtus. Et puis, ne pas oublier de prendre en considération l'oligo-analgésie. Et ce qui ressort aussi dans mes conclusions, c'est qu'on n'utilise pas assez la kétamine lors de la grossesse. Elle n'est pas contre-indiquée, donc utilisons de la kétamine. Et utilisons du méopa lors de l'accouchement. En proposition de changement, je propose d'améliorer les cours dispensés à l'école en faisant une synthèse des antalgiques qui pourraient être utilisables chez la femme enceinte. Et puis, au lieu d'utiliser un algorithme classique, je propose d'utiliser ce tableau récapitulatif en fonction des stades de la grossesse en ajout de l'algorithme classique de l'antalgie, pour ne pas refaire un algorithme encore en plus. Parce que finalement, c'est les mêmes molécules. Voilà, je remercie Véronique pour son tutorat, Diego Offer et Loric Stubi pour leur relecture, Marek Saillon pour avoir partagé avec moi cette prise en charge qui a donné lieu à ce travail de diplôme, Mickey pour les tableaux Excel, tous mes collègues de classe, et puis bien sûr mes enfants Jade, Léo, Kelly et Tim qui ont supporté une maman pas toujours présente pendant ces 3 ans, mon mari Marino qui a assuré à la maison pendant que j'étais pas là, et mes parents Marie-Claire et Dominique pour leur soutien inconditionnel.